Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté. C'est la première fois qu'on prépare une recette spécifique pour le post-entraînement. Oui, en fait, aujourd'hui, je vous propose de vous cuisiner une barre tendre maison. Nous, aujourd'hui, on va vraiment focusser sur des ingrédients naturels. Alors, on va voir ça. On y va. Notre barre post-entraînement contient 280 calories, 38 g de glucides et 9 g de protéines. Nous vous recommandons de la consommer tout au plus 30 minutes après l'entraînement pour une récupération optimale. Vous aurez besoin de fruits séchés, de sucre brun, d'amandes tranchées, de flocons d'avoine à cuisson rapide, des œufs, du beurre d'arachide et un mélange de farine de blé entier, de cassonade et de poudre à pâte. On incorpore les ingrédients secs dans un bol. Dans un autre bol, on mélange les œufs, le sucre brun et le beurre d'arachide jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. On incorpore le mélange des ingrédients secs aux ingrédients humides. On étend la préparation dans un plat à cuisson pour le mettre au four à 350 pendant 25 minutes. Et voici le résultat. Alors, tu vois, Marie, barre tendre fait maison, super moelleuse. Rien à voir avec les produits qu'on retrouve en tablette sur les supermarchés. Puis c'est la collation parfaite pour la récupération musculaire après l'entraînement. 3 fois plus de glucides que de protéines. Le ratio idéal. Merci, Stéphane. Plaisir. On va aller voir Ed Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie de Ève Crépeau, la nutritionniste sportive de la Clinique de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, bienvenue. Merci. Ève, est-ce que les barres tendres commerciales, c'est une bonne solution, soit comme collation sportive ou encore pour récupérer après les matchs? En fait, je te dirais non. Pourquoi? Parce que la plupart des barres sont insuffisantes en termes de protéines et même en termes de glucides pour bien récupérer. L'idéal, ce serait carrément de se les faire soi-même. Tu parles de récupération. Pourquoi c'est aussi important de prendre une collation dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement? Parce que dans les 30 minutes qui suivent, c'est là que mon corps va récupérer, donc refaire ses réserves d'énergie, d'où l'importance de lui donner à ce moment-là des glucides. Aussi, c'est à ce moment-là que mon corps va réparer les micro-déchirures musculaires dans ses muscles, d'où l'importance des protéines. Merci, Ève. Ça me fait plaisir.